Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo des produits terminés. Donc je vais commencer avec vous, j'ai des produits du mois d'avril de Dégustabox. Donc je vais vous en parler de ces produits. Donc tout d'abord, cette boisson à framboise, c'est une bière sans alcool. Donc j'en ai eu deux dans ma Dégustabox. Alors j'aime bien, mais sans plus, parce que je suis pas fan de bière, mais sans alcool, je la trouve super bonne. Donc voilà, c'est de la marque Tourtel. Ensuite, je vais vous parler toujours de la Dégustabox. J'ai eu des Haribo, Chamallow, Choco. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup les Chamallow, mais c'est du chocolat au lait, mais j'ai l'impression que c'est du chocolat noir, donc je suis pas trop fan du chocolat noir, mais c'est bon, si je valide. Ensuite de la marque Berlin, c'est des fines au four aux pommes de terre, donc c'est salé, c'est comme des chips. Donc voilà, que j'ai eu dans ma Dégustabox du mois d'avril, que je vous ai montré. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler des croquettes de chat. Donc, vous voyez souvent dans mes produits terminés ces croquettes-là. Donc, voilà. Donc, j'en ai deux. Donc, voilà, j'en ai deux. Donc, j'aime beaucoup ces croquettes-là pour mes chats. La preuve, j'en achète tout le temps quand je peux. Sachant que là, j'en ai acheté une autre marque que je vous montrerai dans mes produits terminés. Ensuite, ce sucre-là, donc j'aime beaucoup, je l'avais acheté à Leader Price. Donc j'aime beaucoup ce sucre-là, j'aime bien le packaging, je trouve que c'est très efficace. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler des boîtes de gâteaux. Donc j'ai acheté celle-ci, alors c'est la cerise, c'est... Donc génoise cerise, j'aime beaucoup. Donc l'intérieur c'est de la cerise et du chocolat blanc par dessus, c'est super bon. Donc voilà. Ensuite il y a des gaufrettes chocolat noisette, j'aime beaucoup, de la marque Sunday. Ensuite il y a les petites beurres en tablette au chocolat au lait et au chocolat blanc. Donc ça, voilà. Alors sachant que c'est des petits sachets, donc voilà, chocolat au lait et chocolat blanc. Ensuite, il y a ce riz là de chez Unben. Donc 10 minutes et il y a 1 kilo. Donc voilà. J'espère qu'au passage vous me voyez bien parce que là je suis un peu de lumière, j'ai changé de coin pour filmer. Ensuite, les céréales Lyon que j'avais acheté il y a un moment. Donc j'aime beaucoup. Les steaks hachés pur bœuf, voilà, de la marque Casino. Ensuite, de l'huile bio, l'huile d'olive bio de la marque Tramier. Donc, voilà. Ensuite, nous allons parler plus beauté. Donc, c'est plus beauté. Donc, ces masques-là, Bubble Mask à la mousse. Alors, ça, c'est une tuerie. C'est... Donc, voilà. Ça, je mettrai dans mes favoris. Donc, voilà. Alors mes favoris, c'est que j'utilise au quotidien, donc voilà, j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien. Donc je mettrai ça dans mes favoris. Ensuite, je mettrai bien sûr pour les yeux, les patchs pour les yeux dans mes favoris. Donc j'en ai retrouvé à Action, ça faisait un petit moment que je n'avais pas trouvé à Action, j'en ai retrouvé, donc j'ai repris deux boîtes. Pareil pour celui-là. Favori parce que j'adore et j'utilise énormément, donc c'est en mousse.
Donc voilà. Après, j'ai reçu un petit échantillon de la marque Clarins. Crème premier ride. Voilà, c'est un échantillon, donc je l'ai utilisé. Ensuite, le masque vitamine C. Donc, vitamine C que j'ai fait en crash test il n'y a pas longtemps, que je vous ai mis sur ma chaîne. Donc voilà. Dans les coffrets, vous connaissez tous les coffrets d'Action. Donc, je suis pas fan de celui-là. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, c'est le shampoing, celui-là. Donc, de la marque Coconut de chez Action. Donc voilà. Alors, j'aime beaucoup, mais je pense que je ne rachèterai plus pour le moment parce que je m'en lasse de ce shampoing-là. Donc, non, je ne rachèterai plus pour le moment. Ensuite, un déodorant Fa. Donc, j'avais eu ce truc-là aux enchères sur un site enchères. Il y avait plusieurs. Il y avait les gels douche, je ne vous ai pas montré encore parce que j'ai pas terminé les gels douche. Alors, Pink Passion, j'adore l'odeur. L'odeur est une tuerie. Par contre, les déodorants, je ne suis pas super fan de ces types de déodorants-là. Je suis plus, comment dire, à billes. Donc, déodorants à billes. Donc, voilà. Alors, pour le gel douche, une tuerie le gel douche, par contre, de cette marque-là, le même. Donc voilà, donc c'est terminé, le petit bac est terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si vous connaissez certains produits, si vous avez déjà mangé ou goûté. Donc voilà, après je pense que je ferai d'autres vidéos des produits terminés. Donc là c'était un produit terminé du mois, on va dire avril, parce que j'en avais pas mal. Donc, je vous ferai une vidéo du mois de mai des produits terminés vers la fin mai ou dès que mon bac sera plein, bien sûr, parce que j'en ai tellement. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.